Yo là tout le monde, c'est Mazuel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, ladies and gentlemen. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, puisque vous allez voir le boss fight en entier de Firebase Z. Le secret est enfin terminé. Il a été plié, trouvé par des Américains en seulement 2 heures. C'est encore de la goutte d'eau qui fait dépasser les bornes. Oui, monsieur, je mélange 2 expressions parce que là, je suis énervé. Ce que vous allez voir, c'est le boss fight officiel de Firebase Z et nos impressions, puisque j'étais avec Pedro. Sa chaîne sera en description. Nos impressions après avoir fini ce boss fight sont nos impressions du secret en général, impression de ce boss fight, et vous allez voir que c'est pas tout rose. Voilà, vous allez voir que je l'ai un petit peu là en travers de la gorge. Vous allez voir, toutes nos explications seront détaillées de toute façon. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette map. J'essaye de vous faire au plus vite le tuto du secret. Ça devrait arriver si tout va bien, Inch'Allah, comme on dit en italien. Pas du tout, demain soir, le samedi soir ou dimanche, si tout va bien, pour le tuto complet du secret de la map Firebase Z. Sinon, c'était Mazuel, je te fais des gros bisous. Petit pouce bleu, on essaie d'atteindre les 10 000 pouces bleus cette vidéo, ok? 10 000 likes. Je te fais des gros bisous, c'était Mazuel. Ciao, bye bye. Au revoir. Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Comment on fait pour buter cette putain de saloperie? Mon Dieu! Mon Dieu! Attention. Mec. Putain de chien du démon. Oh non. On voit des clips. Il a la bouche ouverte là? Il avait, ouais. Ta gueule. Oh! Ouais, ouais, ça va. D'ailleurs, t'as du monde. Ah, vas-y, ça va. Je vois même pas sa tête. Hé ! Sa grosse bouche, là. Alors, ça, c'est pas une tête, hein, c'est un anus, hein. Mec, ces attaques elles font aucun dégât aussi. Ah mais c'est vrai qu'on a ça. Bah il est mort en fait. Bah c'est bon mec. Really? Quoi, vous venez pas avec nous? Il y a une opération en cours dans les montagnes de l'Oural. Je dois rester sur place. Vous n'allez pas changer d'avis? Je vous l'ai déjà dit, Omega, ce n'est pas nous. Je fais ça pour le bien de la mère patrie. Pour notre bien à tous. Essayez de ne rien casser d'autre. N'oubliez pas. Tout ce qui peut être cassé peut être réparé. Sam, est-ce que ça va? Je vais te rejoindre, Weaver. Nous avons beaucoup à nous dire. Enfin.
enfin. Il vous en a fallu du temps pour venir. Vous avez bien fait de transférer vos recherches. Vous vous êtes montré tout à fait loyal, dans une certaine mesure. Vous plaisantez? Que voulez-vous de plus? Attendez qu'on revienne au secours. On va voir ce que le colonel pense de tout ça. Vraiment? Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Je crois que j'ai besoin d'une preuve de votre dévotion envers Omega. Dites-moi, docteur. Vous préférez quel œil? Je sais pas quoi dire. Mec, c'est quoi cette bouse, mec? Ben, autant le secret, ça va. Mais le boss, on est d'accord que... Non. C'est quoi ce caca intersidéral, mec? Déjà, de 1, le boss, on l'a vu. On l'a tous fait une première fois. C'est quoi cette bouse de hache? C'est le même et c'est trop facile. Franchement, dites-nous ce que vous en pensez, enfin, vous, mais... franchement, enfin, je pensais pas dire ça, mais oui, je regrette le boss de D-Machine. Mec, c'est nul. C'est nul. C'est vraiment... c'est ça qu'on sait gratos. C'est gratuit, donc c'est nul. Ouais, je l'ai dit le premier, hein. Il faut pas voir non plus le fait qu'ils aient viré les Season Pass comme forcément une bonne nouvelle. Rendez-nous les maps, rendez-nous les maps zombies payantes, please. Non, vraiment, là, je suis désolé, c'est pas possible. C'est nul, ça me donne envie. C'est vraiment non. Oh, la carte d'argent, elle est belle! À ce quoi il sert? C'est le boss de Zetsubou ben... Noshima, mais en pire, parce qu'il met sa grosse main là, comme Zetsubou, il met sa grosse main au milieu, mais sa grosse main fait zéro dégâts. T'as juste besoin, on va dire, de bouger un petit peu et encore. Mais si même tu pas veux, tu peux aller dans. Moi j'étais dans au la bout, maison, moi j'étais au fond. À l'arrière pour t'abriter, c'est tout. J'étais au fond de la map, il m'a jamais touché. Le problème que j'ai en fait avec la map zombie, c'est qu'il n'y a aucune plus-value là-dedans. Il n'y en a aucune. Enfin, c'est quoi le délire de la map? Parce que là qu'on s'explique, le but c'était. D'aller dans les terres sombres, récupérer Samantha. 1. On n'est jamais dans les terres sombres. 2. Samantha sort toute seule. Et Samantha, elle sort... Je suis sûr que Samantha, elle va être... Ah, ou attends, il y a peut-être une théorie intéressante, là. Ouais, alors, Igor, que Samantha soit ressortie, mais pas... Oui, pas... Bah, bah, on va c'est dire, sûr, pas avec... Oui, voilà, c'est sûr, il y aura un problème. Il y aura un problème avec Samantha dans les maps qui vont arriver. Mais imagine... Que dans les terres sombres, elle a revu Richtofen, tout ça, mais... Bah oui, de toute façon, tous ceux qui entrent dans les terres sombres en ressortent changés. En monstre ou je sais pas quoi. Mais imagine que Samantha, elle est vue... Victis, elle est vue, je sais pas moi. Là, ça pourrait être intéressant de refaire le lien avec les persos de l'éther, mais pour l'instant, c'est éclaté. Enfin, tu vois, regarde, je vais te dire une chose. C'est plus Jason Blundell qui est aux commandes. Voilà, oui. Pour moi, c'est la seule explication logique que j'ai. C'est plus Blundell qui est aux commandes, et c'est de la merde. Voilà, tous ceux qui critiquaient Blundell, je suis désolé, mais pour les secrets, c'était le boss. Enfin, en tout cas, pour le mystère que ça en dégageait. Pour le mystère et pour le fait que là, toutes les étapes nous étaient expliquées. Ben, c'est ça. Comme dans D-Machine. D-Machine, toutes les étapes nous étaient expliquées. Ouais, mais D-Machine, tu vois, à la rigueur, pour moi, je trouvais ça un peu plus excusable, parce qu'on va dire que... Quelque part, ils pouvaient sortir l'excuse, entre guillemets, que voilà, c'est une nouvelle map, on repart un petit peu de zéro pour ça, donc c'est un petit peu normal que ce soit facile, entre guillemets. Mais voilà, qu'au fur et à mesure, ben, on revienne, on va dire, un petit peu à ce qui faisait quand même un petit peu la force quand même des recherches zombies. Mais là, je trouve que limite, le secret a été trouvé encore plus vite qu'avant. J'aime bien l'étape du fait qu'on doit capturer des zombies, mais je trouve ça un peu dommage qu'on doit juste capturer des imitateurs. On aurait pu capturer un zombie, on aurait pu capturer un zombie rampant, on aurait pu capturer un russe, un broyeur russe, on aurait pu capturer... je sais pas moi, mais là on doit capturer que des imitateurs. Dans les trois zones principales. Le secret tourne autour du fait qu'on doit faire des trucs dans les trois zones principales. Sinon, il y a quoi d'autre comme étape? Les cristaux, bon, c'est sympa. C'est sympa, mais ça casse pas trop. Non, vraiment, je trouve que le secret, la conception du secret en soi, elle est bien. Mais c'est le fait de la trouver, en fait, tout nous est indiqué. C'est tout ça, nous est en fait, indiqué. Là, deux heures, quoi. Je demande pas, on va dire, qu'on ait une recherche sur 8 jours.
Mais 2 heures et un boss fight comme ça, quoi, qui n'a aucun challenge. Aucun. YouTube, un peu déçu, hein, un peu déçu de ce que j'ai vu. J'espère que vous avez kiffé cette cinématique de fin, ce secret, ce boss fight en général. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça éclatax au solax. Hein, je te le dis, je trouve ça nul. 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 Voilà. Petit pouce bleu. Même si c'est nul, ne mets pas de pouce rouge. Ouais. Mais justement, parce que c'est nul, mets des pouces bleus. Ok? Je te fais des gros bisous, c'était Mabzol. Ciao, bye bye. Spider-Man. Thank you.